Ici, il y a 50 ans, s'est livrée la plus grande bataille de tous les temps. 4 millions de soldats s'y sont battus. 400 000 y sont morts. 200 000 Français, 200 000 Allemands. Verdun est une ville marquée par le destin, parce qu'elle est sur la route de toutes les invasions. Déjà Attila avait ravagé la cité franque, la laissant comme un champ retourné par les sangliers. Par le traité de Verdun, en 843, les fils de Charlemagne se sont partagés l'Empire. Ici donc, l'Europe a éclaté. À partir de ce moment, il n'y a plus eu de guerre entre Francs et Germains sans une bataille pour Verdun. Le décor est planté. Une citadelle à la Vauban qui garde le passage de la Meuse. Des bois pour cacher l'infanterie. Des ravins pour installer des canons. À l'horizon, une couronne de forts pour surveiller les vallées. Au début de 1916, la Grande Guerre n'a pas 2 ans. Depuis la bataille de la Marne, l'invasion allemande est arrêtée. De la mer du Nord aux Vosges, 2 immenses armées sont enterrées dans leurs tranchées. Les nations frustrées acceptent mal la guerre d'usure. Dans chaque camp, les généraux voudraient porter un coup décisif. Joffre prépare, pour l'été, l'offensive sur la Somme. Le Kaiser Guillaume II va le gagner de vitesse. Verdun en 1916, la Meuse y coule débonnaire. Le front est proche, mais calme. Pour les soldats, Verdun c'est l'arrière, avec ses civils, ses commerçants, ses bistrots, ses lieux de plaisir. Le poilu se sent à l'abri, au milieu de la région la plus fortifiée de France. 23 forts et 100 ouvrages qui protègent la citadelle. Mais le poilu ignore que l'état-major, depuis la chute de Liège en 1914, ne croit plus à l'utilité des forts. Depuis 6 mois, on a enlevé pratiquement tous les canons, supprimé les garnisons, confié la garde des ouvrages à quelques vieux territoriaux. Cette erreur de jugement va attirer la foudre. Pour attaquer à Verdun, les Allemands, depuis 2 mois, ont rassemblé leurs troupes les plus aguerries. 14 voies ferrées débitent jour et nuit renforts, canons et munitions. Des canons, on a été en chercher jusque sur le front de Russie et sur le front des Balkans. Les arsenaux d'Allemagne arrivent par millions les obus qui écraseront les forts et les tranchées de Verdun. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'user, il faut anéantir. L'infanterie, dotée pour la circonstance du nouveau casque d'acier, doit pouvoir avancer en colonne, l'arme à la bretelle. 1200 canons lui frayeront la route. Comme des fourmis, les sapeurs allemands tracent les voies ferrées, creusent les abris. Au début de février, il ne manque plus une grenade à manche. L'honneur de diriger l'attaque revient au Kronprinz, fils du Kaiser. Le Kronprinz est installé à Stenay, 40 km au nord de Verdun. Paul Etikofer, lieutenant en 1916, l'a connu. C'est ici, il y a 50 ans. Le Kronprinz avait son quartier général. Et c'est ici qu'il a logé dans son quartier pendant 2 ans. Il avait même son état-major ici. Il avait ses chevaux, son chenil. On le voyait le matin faire des promenades à cheval dans le pays ici, enfin dans la contrée. Il était connu par tout le monde. On savait que c'est le grand prince. Et le 11 février, 1916. C'est ici que l'empereur Guillaume
à passer la dernière revue des régiments avant l'attaque. Au son de la marche des volontaires, chasseurs volontaires de 1814. Nous, les Allemands, nous voulions terminer la guerre en 1916, naturellement, avec une victoire. Eh bien, pourquoi Verdun? Le chef du quartier général, le général von Falkenhayn, avait conçu un plan qu'on peut nommer terrible. Il voulait saigner l'armée française. Il s'est dit, l'armée française ne quittera jamais un drapeau qu'on lui donnera, qu'on lui présentera à défendre. Jusqu'à la dernière goutte de sang, un drapeau, ça ne se quitte pas, ça se défend. Un drapeau, il faut donner à l'armée française une forteresse à défendre, une forteresse qu'elle défendra jusqu'à la dernière goutte de sang. Peut-être, ça sera des forts. La forteresse vierge, qui n'a jamais été prise. C'était l'opération Forêt Noire. Mais on a laissé tomber ce plan et on a fait le plan et les travaux pour l'opération Grand Jugement. C'était l'opération sur Verdun. Et pour vous expliquer cela, je vous prie de regarder avec moi la carte. Vous trouverez sur la carte les détails. Vous voyez ici la forteresse de Verdun et dans un grand demi-tour, le front qui passait, qui venait de Vaucois jusqu'à Étain et puis là, dans la Voivre. Falkenhayn massait l'armée d'attaque ici sur la rive droite de la Meuse. Le Kronprinz voulait attaquer en même temps sur la rive gauche. Falkenhayn ne voulait pas. Et le premier objectif qui barrait la route sur Verdun, c'était le point de corps ici. Le bois des corps est grand comme le quart du bois de Boulogne. Au centre, un abri bétonné qui a résisté à tous les bombardements et à 50 hivers. C'est de là qu'en février 1916, le colonel Drian commandait à ses 1300 chasseurs à pied. Drian, le gendre du brave général Boulanger, est militaire de carrière, député de Nancy et romancier. C'est lui l'inventeur de la croix de guerre. Il la recevra à titre posthume. Le voici avec quelques-uns de ses chasseurs. Henri Petit-Collot, 29 ans, ingénieur des mines. Marcel Pagnon, employé de banque à Paris. Jacques Desmenet, 28 ans, de Lille. François Debeugny, 19 ans, officier d'active. André Gosset, 28 ans, industriel à Saint-Quentin. Il est 7h15 du matin, le 21 février. Ces hommes vont mourir. Le sous-lieutenant de chasseur Spitz était là, il se souvient de cet ouragan. Je ne vois pas quelque chose qui peut, même à deux trains qui se tamponnent, où il y a des blessés, tout ça, c'est pas comparé. C'est ce qu'il y a de plus malheureux, c'est ce qu'il y a de plus épouvantable, c'est le cri des pauvres malheureux qui tombent,
qui appellent. L'un, soit sa maman, l'autre, soit ses enfants, un autre, ses parents, un autre. Je ne sais pas, moi. C'est pas croyable, parce que c'est pénible à entendre. Mais alors, après 9 heures de bombardement, les chasseurs ont pu défendre quand même. Ah oui, très bien. Même trop bien. Trop bien, comment ça? Je veux dire que si on les avait laissés faire, eh bien, ils auraient même reparti d'avant. Seulement, Henri fait à quoi? À laisser à perdre tout le monde. Les Allemands, alors, ils attaquaient avec quoi? Oh, avec tout. Avec fusils, baïonnettes, revolvers et lance-flammes surtout. Le lance-flammes, le terrible Flammenwerfer, a été inventé par les Allemands pour l'attaque de Verdun. Grenadiers et lanceurs de feu en tête, les colonnes d'assaut allemandes s'enfoncent dans le bois des corps dévastés. Il est 17h15, la nuit approche. Il ne reste à Drian que 300 chasseurs, mais ils résistent et contre-attaquent. Malgré ses efforts, l'infanterie allemande ne parvient pas à percer. Pour les Allemands, c'est une journée perdue. Ils ne la retrouveront jamais. À Chantilly, au grand quartier général des armées françaises, on n'entend pas le bruit de la bataille. Le généralissime Joffre, énorme et serein, s'est installé à l'hôtel du Grand Condé. Le général de Cossé-Brissac, directeur du service historique de l'armée, a ressorti de ses archives les cartes et les ordres du généralissime. Mon général, comment le général Joffre a-t-il appris le déclenchement de l'attaque allemande sur Verdun? Le 21 février 1916, à 10h, le généralissime Joffre apprend à Chantilly le déchaînement depuis 2 heures environ sur le front de Verdun d'un ouragan de fer et de feu. Il n'en est pas surpris. Il n'en est pas surpris, mais tous les auteurs affirment qu'au contraire, pour le haut commandement français, ça a été une grande surprise, cette affaire de Verdun. N'est-il pas allé 2 jours avant, le 19, voir à Bar-le-Duc le général R, commandant la région fortifiée de Verdun, et les prochains exécutants, Basler, Balfourier, Humbert, qui commandent la 3e armée. Donc vous affirmez qu'il n'a pas été réellement surpris. Quelles autres preuves peut-on en apporter? Le bruit d'une attaque sur Verdun courait depuis le mois de décembre. Il s'était précisé le 10 janvier, à la suite de renseignements très sûrs émanant du Danemark et de Suisse. À partir de cette date, il avait été confirmé par de nombreux indices. Destruction de clochers susceptibles de servir de point de repère, construction de voies ferrées nombreuses et surtout d'abris enterrés géants susceptibles de contenir une garnison d'un millier d'hommes. Surtout, déposition de nombreux prisonniers, déposition concordante, circonstanciée, émanant souvent des déserteurs alsaciens. Quand le général Joffre a appris ce déclenchement de Verdun, est-ce qu'il a réagi avec son calme proverbial? On exagère la placidité du général Joffre, de ses nuits tranquilles et de son solide estomac. En réalité, sous son masque impénétrable et débonnaire, il dissimule une autorité jalouse, une infatigable activité. La grande question que se pose Joffre, l'attaque sur Verdun est-elle une attaque isolée? Ou bien n'est-elle pas le prélude d'autres coups de massue sur le reste du front? Joffre craint une entreprise allemande à la charnière franco-anglaise en direction d'Amiens, ou dans la vallée de l'Oise qui mène à Paris. Et c'est là, en effet, qu'il a déjà concentré la 2e armée sous les ordres du général Pétain, forte d'une dizaine de divisions. Et aux gens qui se trouvent sur place à Verdun, qui reçoivent le premier choc, quels ordres donne-t-il Joffre? Le même jour, le général Joffre rappelle qu'il ne tolère aucune abandon de position et qu'il faut contre-attaquer sur tout point perdu. Face à son front d'attaque qui va de la Meuse de Brabant à Orne, le chef de la 5e armée allemande
amassé trois corps d'armée. Trois corps d'armée, c'est-à-dire six divisions en première ligne et deux divisions en deuxième ligne. En face, nous n'avons que les éléments de deux divisions du 30e corps. Et particulièrement, dans le bois des corps, les chasseurs du colonel Drian, 56e et 59e bataillon. Au soir du 21 février, et après 9 heures d'écrasement par l'artillerie, les Allemands ont pris le bois d'Aumont, le nord du bois des corps. Ils n'ont avancé que d'un kilomètre en profondeur sur 5 km de large.